C'est dans l'étrange que réside la source de l'évidence. Dans le labyrinthe de la vie, un message nous parvient en écho. Celui d'avancer dans l'existence, de nous construire, de nous parfaire, de nous accomplir. Pour y parvenir, aucun panneau de signalisation qui nous permettrait de prendre nos marques, de trouver des repères. Aucun signe, aucun message a priori. Et c'est cet a priori que les arts divinatoires prétendent changer. Ils prétendent changer notre vision des choses, notre approche cartésienne de la vie. Au cœur de ces disciplines, il en est une, concrète, simple et accessible, pourvu que l'on s'intéresse à son mode de fonctionnement, la numérologie. Une discipline riche, passionnante, qui s'intéresse aux nombres et à leurs vibrations. Des nombres qui nous accompagnent et qui font partie intégrante de notre environnement tout au long de notre existence. Pour preuve, une date, votre date de naissance. Certains l'attribueront au hasard. L'esprit ouvert, avide de connaissances, y verra là plutôt un signe, un début d'explication. Une explication.